quoi ce projet Mobena ? Alors, le projet Mobena, on l'a initié en 2021 pour aider l'ensemble des acteurs de la recharge électrique à se constituer en groupement et à définir ensemble comment mettre en œuvre ce qu'on appelle le plug and charge, c'est-à-dire la facilité de recharger son véhicule sans avoir besoin d'aucun dispositif, ni de carte, ni d'application. On branche et ça marche. Guillaume Chanvillard, bonjour. Vous êtes chargé du développement des bornes au CIGEF. Pourquoi se rencontre-t-on aujourd'hui ici à Viroflay ? On a choisi une borne rapide qui illustre bien le parc du CIGEF. On a aujourd'hui une centaine de bornes IES en exploitation sur le réseau et qui maillent le territoire. On couvre à peu près une centaine de villes et on a choisi des lieux stratégiques pour déployer ce service de recharge rapide. Quelle est la plus-value des bornes plug and charge sur les bornes publiques justement ? Aujourd'hui, on a des cartes d'abonnement pour accéder aux bornes. Demain, on souhaite simplifier l'expérience de recharge au quotidien des usagers. Aujourd'hui, on est là pour faire des tests. Tout à fait. En quoi sont-ils indispensables ? Ce principe qui est la simplification, en fait, passe par un ensemble d'acteurs, de facteurs, de matériel. Et il faut que tous les systèmes communiquent entre eux pour arriver à l'expérience usager la plus simple et très sécurisée. C'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, comment le CIGEF va l'intégrer dans les bornes existantes sur le réseau public déjà installé ? Aujourd'hui, dans notre parc, qui est composé à peu près de 1000 points de charge, on en a la moitié qui sont compatibles avec l'arrivée de cette norme. Et on a des objectifs de développement, de remplacement aussi dans le temps, pour intégrer sur l'intégralité de notre réseau ce service de plug and charge à terme. Nous offrons en fait des services à l'ensemble de ces acteurs pour s'interconnecter entre eux et également des services de cybersécurité qui vont permettre de sécuriser la recharge. Au final, le service se déroule de façon simple, efficace et sécurisée pour l'utilisateur. Est-ce que le marché vous semble suffisamment développé ? Aujourd'hui, j'en ai au début du déploiement de ce marché. Et donc, nous, chez JREV, on va leur permettre soit de réaliser des tests, des démonstrations ou bien de passer directement en production pour leur permettre de déployer le service sur le marché. Selon vous, va-t-il y avoir d'autres évolutions de la recharge ? La recharge électrique, elle met en relation différents acteurs et on voit arriver une nouvelle typologie d'acteurs, ce sont les énergéticiens. Nous, JREV, on va pouvoir mettre en relation ces nouveaux acteurs avec les opérateurs de recharge, les opérateurs de mobilité et les constructeurs pour offrir des solutions autour du smart charging notamment et donc rendre à nouveau la recharge simple et accessible dans ce nouveau contexte avec ces nouvelles fonctions. Ampère est l'entité du groupe Renault spécialisée dans le véhicule électrique et le software. Comment s'intègre la fonction plug and charge dans le véhicule ? Lors du branchement, après que le véhicule a vérifié l'authenticité de la borne, le véhicule transmet son contrat de mobilité à la borne qui elle-même ensuite vérifie la validité du contrat. Pour nous, le plug and charge, c'est la simplification du parcours client pour que ce soit facile d'utilisation, simple à utiliser et sécurisé. Quelles sont les contraintes de cette nouvelle technologie du plug and charge ? Alors l'implémentation du plug and charge demande une couche de cybersécurité avec beaucoup d'interopérabilité entre les véhicules et les opérateurs de mobilité électrique. Alors aujourd'hui, c'est une journée de démonstration. Quel est l'intérêt ? On teste la compatibilité des véhicules avec nos bornes de charge et pareil, on peut tester la chaîne complète de la recharge qui va de l'opérateur de mobilité jusqu'au véhicule en passant par la borne de charge. Vous faites partie du groupement Mobena, pourquoi ? Le groupement Mobena nous permet de justement fédérer tout l'écosystème autour du plug and charge, de pouvoir proposer ainsi une fonctionnalité qui sera universelle, qui fonctionnera sur tous les opérateurs et tous les véhicules. À quand, pour vous, une installation à grande échelle du plug and charge ? On planifie d'arriver à déployer le plug and charge en 2024, à la fin de l'année. Là, pour l'instant, vous avez atteint le nombre de bornes objectif ou il peut encore en mettre d'autres ? Là, on en a à peu près 1030 points de charge en service. Oui. On a prévu d'en déployer 1000 complémentaires d'ici 4 ans. Et en termes de maintenance, un délai d'intervention qui est... On essaye de s'améliorer là-dessus. D'ailleurs, on a des objectifs actuels. Renforcés au fur et à mesure des marchés. Les temps d'intervention ont été réduits et on compte aussi sur le matériel. Le mainteneur ne peut pas être tout seul dessus. Le constructeur doit aussi les aider. Et on fait beaucoup attention à la réparabilité pour réduire le plus possible les temps d'indisponibilité qu'on va avoir. Le constructeur s'engage à fournir des pièces détachées pendant 10 ans. On commence à avoir des bornes qui ont 4 voire 5 ans. C'est extrêmement compliqué à maintenir. Les anciennes bornes Autolib, par exemple, on a proposé une solution de rétrofit, c'est-à-dire qu'on a gardé que l'enveloppe, donc la carcasse de la borne, et on a remplacé toute l'électronique à l'intérieur. Et c'est aussi une solution pour laisser l'infrastructure en place et offrir un service de meilleure qualité à l'utilisateur. Et dans le modèle à venir, les bornes vont être installées par des opérateurs sans aucun coût pour
la collectivité d'implantation, l'amortissement se faisant sur l'utilisateur. C'est ça, l'objectif en effet c'est d'avoir un système équilibré économiquement. L'investissement on est quand même beaucoup soutenu par la région Île-de-France ou les certificats d'économie d'énergie par un programme qui s'appelle Advenir. On a des bornes, il y a 13 charges par jour dessus, on est déjà à la rentabilité sur certaines bornes. Hein, On voulait ouvrir la session avec un petit mot du président du CIGEF. Merci, oui, ce sera un mot simplement pour saluer les élus d'abord. Martine Schmitt, qui est vice-présidente du CIGEF, était de Versailles, saluer la directrice générale d'Isivia. Jusqu'à présent, le plug and charge, il existait. Hein. Il existe en circuit fermé. Mais sur un réseau de services publics, il n'existe pas encore. On utilise le procédé plug and charge, évidemment, ça devient beaucoup plus simple. Nous devons être interopérables absolument avec les autres réseaux. Et ça, on y arrivera, je pense, progressivement. Alors, merci pour cette innovation. Je crois qu'elle est particulièrement utile. Elle sera appréciée sans aucun doute. Le plug and charge, ça va vraiment être un outil de simplification pour les utilisateurs de véhicules électriques. Plus besoin de badge, il suffit de brancher sa voiture sur la borne et hop, la recharge démarre. Pour mettre en place le plug and charge, il faut des bornes qui le permettent. Aujourd'hui, chez Isivia, on a installé énormément de bornes qui sont prêtes à accueillir cette technologie plug and charge. Il va suffire simplement de les paramétrer pour pouvoir le mettre à disposition. Et notre but, c'est d'améliorer l'expérience client sur les services de charge et les services énergétiques. Donc le plug and charge est bien évidemment une de nos préoccupations majeures. Et donc on a fait tout le pendant de ce qui a été fait dans la borne côté voiture. L'idée étant de remplacer l'action du client, le badge du client devant la borne, et de faire porter ce badge par la voiture pour qu'elle soit reconnue par la borne et qu'on puisse lancer la charge. Quoi ce projet Mobena ? Alors c'est très simple, nous faisons partie du groupe Mobena pour développer ici en premier lieu le plug and charge. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a toutes les parties prenantes de l'écosystème français, donc on peut échanger et travailler ensemble pour mieux comprendre le standard et garantir qu'on sera interopérable sur tout le territoire en France et en Europe à terme, puisqu'on va sortir le plug and charge sur la R5 dès la rentrée. Nous avons présenté au Salon de Genève un certain nombre de technologies qui sortiront sur la R5, mais nous avons aussi des sujets autour de véhicule to X, c'est-à-dire que le véhicule va pouvoir alimenter un certain nombre d'appareils électriques. Et puis nous avons aussi le véhicule to grid, où le véhicule va pouvoir restituer de l'énergie sur le réseau électrique. C'est ce qu'on appelle une charge réversible. La batterie va pouvoir recevoir de l'énergie, mais elle va pouvoir restituer de l'énergie et la renvoyer sur le réseau. Alors c'est très simple, on commence par la Renault 5 et ensuite l'ensemble des véhicules Renault seront prédisposés pour pouvoir déployer ces technologies. Il faut aussi des bornes compatibles et un écosystème compatible. Et donc l'alignement de toutes ces technologies va permettre de proposer ces services à nos clients. Grâce à Mobena, on a pu accélérer puisque ça a permis d'échanger avec toutes les parties prenantes de l'écosystème et on va pouvoir, à partir de la rentrée, diffuser ce service sur l'ensemble de nos véhicules électriques. On regarde comment ça marche. Donc je viens de me garer, je sors de ma voiture, j'arrive, je joue de la trappe, ici, et donc comme... Hop. Et donc je mets... Elle communique avec le véhicule, ils échangent des informations entre le véhicule et la borne. Donc là, ils vérifient que la sécurité électrique est en place. Et ensuite, il va déclencher la recharge. Donc là, vous pouvez voir aussi, ça c'est l'application Isivia. Donc si vous êtes client chez Isivia, vous avez une application qui permet de voir où sont les bornes. Ah, et on peut l'arrêter. Et on peut l'arrêter. Bah, voilà. Hop, arrêter. Je confirme. Et là, stop. Voilà. Fin de charge, ne pas débrancher. Et donc là, maintenant, on peut débrancher le véhicule et la session. Quelle merde, la technologie qu'on vous a présentée, pilotable à distance de votre bureau, ça vous tente hein? Toutes les nouvelles technologies me tentent de façon générale. Et tout ce qui peut être piloté à distance, je trouve que c'est super. Vous roulez déjà en voiture hybride, donc vous rechargez déjà votre voiture. Oui, en fait, c'est assez marrant parce que entre l'été et l'hiver, ça change en fait l'autonomie de la voiture. Bon, c'est encore un peu bizarre. Donc il faut le temps de s'habituer quand même à la voiture, aux technologies. Et le côté hybride, en fait, il est un peu rassurant, éventuellement, pour me ramener chez moi. Pour moi, c'est un bon compromis, en tout cas. On est un des acteurs majeurs de la charge accessible au public en France. Et donc le plug and charge contribue à tout ça, parce que finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, je branche mon véhicule et la charge démarre. Donc pas besoin d'utiliser un badge, une appli ou une carte bleue, ça simplifie énormément le parcours utilisateur. C'est d'abord un défi technique, parce qu'il y a tout un tas de mécanismes de cybersécurité. Et donc pour le faire, on va remplacer le badge RFID qu'on utilise d'habitude pour lancer une charge,
par un certificat électronique qu'on va venir installer dans la voiture. Le deuxième défi technique, c'est l'interopérabilité. L'enjeu là qu'on a aujourd'hui avec le plug and charge, c'est de faire marcher ça avec toutes les bornes et toutes les voitures. Est-ce que cela signifie que chaque voiture aura une identité, un peu comme une carte d'identité ? Oui, c'est exactement ça en fait. Un certificat numérique, c'est vraiment l'équivalent d'une carte d'identité. Donc c'est signé par une autorité de confiance, ce qui fait qu'on a la certitude que ce véhicule-là appartient à notre utilisateur et qu'il y a un compte chez Easyvia qui est associé. Donc on a une sécurité qui est équivalente à celle qu'on a pour le paiement par carte bancaire ou le paiement sur Internet. Donc il faut que ce soit sécurisé pour pas que les données de nos utilisateurs se retrouvent à droite à gauche ou qu'il y ait des erreurs à ce niveau-là. En parallèle, je sais qu'Easyvia travaille sur l'autocharge. Quelle est la différence avec le plug and charge ? L'utilisateur ne va pas forcément voir la différence. On va simplement récupérer un identifiant de la voiture, pas un certificat, juste un identifiant, mais ça permet déjà d'offrir à nos utilisateurs un avant-goût du plug and charge. Bonjour, je suis Stéphane Semeria, invité par le CIGEF, et je suis là pour voir la réalité de ce projet Mobena et le comprendre. Alors justement, qu'attendez-vous en tant qu'utilisateur des fabricants et des constructeurs et des installateurs ? On attend beaucoup de simplicité dans l'acte de recharge. Au niveau de la rapidité, on veut que ça marche tout de suite, quoi. Qu'attendez-vous d'une journée comme aujourd'hui ? Voir fonctionner des choses dont on entend parler depuis très très longtemps pour que ce qu'on arrive à vivre dans le monde Tesla, pour ne pas le citer, devienne une généralité. Le plug and charge, supposons que le système ne fonctionne pas, est-ce qu'on peut néanmoins se charger à l'ancienne? Voilà. Oui, alors il faut bien comprendre que le plug and charge, c'est un moyen de lancer une charge supplémentaire. D'accord. Il y aura toujours la possibilité, si on le souhaite, de lancer une charge avec son pass, ou alors si c'est une borne équipée d'un terminal de paiement par carte bancaire, on pourra aussi lancer une charge par ce moyen-là. Plug and charge, c'est super. Est-ce qu'il va y avoir un surcoût pour l'utilisateur vu que le niveau de service est bien supérieur à ce qu'on a avec une carte? Alors oui, effectivement, on a des coûts supplémentaires qui sont liés donc à la manipulation de nouvelles données, de nouveaux certificats numériques. On gère la sécurité et effectivement tout a un coût. Néanmoins, c'est un enabler technique pour le passage à l'échelle ensuite de la recharge intelligente qui vise à réduire après la facture. D'accord. Finalement, du coup, c'est un nouveau coût en plus maintenant pour après avoir des bénéfices plus tard. Donc l'idée, c'est pas qu'on ait une charge qui soit plus chère avec des systèmes qui sont complexes. C'est vraiment permettre après donc, le passage à l'échelle de la recharge intelligente qui permettra donc, à l'usager ainsi qu'aux opérateurs finalement d'avoir une charge moins chère. Et finalement, ce qu'on voit derrière, c'est le V2G. On voit qu'il y a 5 sorties il y a quelques semaines qui permettra donc aussi d'avoir des bénéfices à la fois côté réseau électrique, à côté automobile, côté utilisateur. Merci beaucoup.